Dégage. Oui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Need for Speed Payback. Et on va se faire quelques petites courses sympathiques. J'avais déjà fait deux vidéos, il me semble, sur ce jeu. Et bien écoutez, on va reprendre ça. Ça fait un petit moment que je l'avais interrompu, malheureusement. Pas de possibilité de le faire plus tôt. Donc on va passer par quelques petites courses, histoire de se faire un petit peu la main. Je sais pas ce que vous pensez de ce jeu, n'hésitez pas bien évidemment à le dire dans les commentaires. Si vous l'avez également, ça change un petit peu de ce qu'on a actuellement. Mais c'est vachement sympa aussi, il y a surtout le mode histoire en fait qui change un peu d'un Forza Horizon 3 par exemple. C'est assez plaisant, le style de conduite est totalement différent. Bien évidemment, il faut s'y faire. J'ai un peu de mal parfois. Donc il faut s'y faire, mais il y a des trucs sympas là-dedans. Donc on va essayer de se faire quelques petites séances comme ça de Need for Speed Payback. N'hésitez pas bien évidemment à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À liker la vidéo. Bien sûr. Je le savais. Il y a vraiment, comme dit, oui, on est passé devant. On est passé devant, on devrait pouvoir gagner cette course. Oui, ça y est qui est fait. Oh ouais, c'est fait. On a gagné cette course, on gagne des crédits, bien évidemment, pour pouvoir acheter de nouvelles bagnoles, acheter des améliorations. C'est pas tout à fait comme dans d'autres jeux. Il faut récupérer là, des cartes pour pouvoir améliorer les bagnoles dans le garage et les rendre bien évidemment plus performantes. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, ben, n'hésitez pas à aller les retrouver sur la chaîne. J'avoue. Il y a une playlist Need for Speed. À trop jouer la prudence, on gagne jamais rien. C'est pas faux, mais je préfère la route. Je te remercie. Les bagnoles sont sympas. Oh là, oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Donc là aussi, il y a des épreuves. J'arrive, mon gars. Il y a des épreuves aussi pour pouvoir gagner des points, gagner des crédits. Pour l'instant, on va se rendre au garage. On va voir si on peut pas dégoter une autre bagnole. Alors là-dedans, bien sûr, hein, le Nitro classique, le Need for Speed. Need for Speed ne serait rien sans son Nitro. Qu'est-ce qu'on a de beau dans ce garage? Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme nouvelle bagnole? J'ai fait de la place pour vous trois. Laissez vos bagnoles ici et servez-vous de ce que vous voulez. Ok, cool mec. Réglez-les, repeignez-les, affinez votre style. Mais installez d'abord des pièces pour voir s'il y a moyen d'améliorer. Ah, c'est clair. Ah, une Golf Dodge. Qu'est-ce qu'on a? La Honda. Une Camaro SS. Ça, ça me tente pas mal. On va prendre cette bagnole. On va aller se balader avec. On va aller faire l'une ou l'autre course avec cette Camaro SS. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette bagnole. Elle a de la gueule en tout cas, hein. Elle a de la gueule. On peut pas dire le contraire, avec l'énorme aileron derrière. C'est la classe. Et alors, elle a une sacrée quantité de nitro. D'opportunités, mais aussi de dangers. Avant-hier soir, c'est un pilote inconnu qui a gagné la course de Boonville. Et il se murmure que
ce n'est pas tout à fait le résultat attendu par sa famille. Eh ouais, mec. Par ailleurs, un pilote local surnommé King Snake a fini la nuit filant à toute vitesse vers l'hôpital à bord d'une ambulance. Cher vainqueur, ouais, le nitro est quand même vachement énorme sur cette Camaro SS. C'est excellent, ça. Plus question de revenir en arrière. Alors, on va pouvoir se faire une petite course avec cette bagnole. On va d'abord se faire le radar, là, pour voir un petit peu. Si on y a... Ah, merde, on n'y est pas encore, là. On n'y est pas encore, à mon avis, il va falloir l'améliorer un petit peu plus que ça. Je pense que ça va pas le faire avec la bagnole dans cet état-là. C'est pas bon du tout. Il faut qu'elle soit un peu plus performante. On va réessayer une dernière fois. De toute façon, c'est dans la direction là où on doit aller. Donc, on va essayer de voir si on arrive à battre les 202 km/h, mais ça va être chaud, ça va être trop chaud, trop chaud, beaucoup trop chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant comme course et avec quelle bagnole surtout? Est-ce qu'on va garder cette Camaro SS? Ce serait pas mal, n'empêche. Elle est... Ah merde, il va falloir changer de bagnole. Bon, écoutez, on n'aura pas fait grand chemin avec cette Camaro SS. On va reprendre la Subaru. Subaru Impreza. Et on sera confronté à quoi? Ah, il y a quand même là des fous du volant. De la ville, il n'y a que le sable et le ciel à perte de vue. Ligue 73. La liberté, c'est à 160 km/h et à 3 mètres du sol. J'adore les... le scénario... les voix dans le jeu, c'est assez fun. Qui voilà? Le bleu, t'es Udo Ross? Moi c'est Mac. Je sais qui t'es. Tu driftes et tes potes avec Ash Tiger. T'es venu faire un selfie, Mac? Je m'en tape, je suis pilote tout terrain, comme toi quoi. Je suis pilote tout terrain. Bah mes pilotes, après on causera. Un peu d'argent de poche. Alors là, on a le truc de paris. On peut effectivement accepter ou pas les paris. Ah merde, je me suis pris trop tard. Bon, c'est pas grave. Allez. Go, c'est parti. Ah, le nitro, c'est sûr que ça fait tout de suite. Ça donne tout de suite une autre allure au jeu. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans un Forza Horizon 3 par exemple. J'espère que ça vous plaît quand même. J'espère que ça vous plaît ce jeu. N'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à laisser des infos dans le commentaire. Allez, faut qu'on arrive absolument devant. Absolument. Allez. Ah, le nitro est trop court et en plus il y a du monde en face. Merde, je pensais que c'était une course qui était totalement fermée. Et en fait, pas du tout, du tout. Donc, ouais, saleté comme tu dis. Ah, c'est chaud. Mais justement, c'est beau. C'est comme ça que la compétition est encore plus belle. Oh, ça c'est stylé. C'est stylé, ce côté arcade de ce jeu est plutôt sympa. L'aérodrome, il y a des aérodromes partout, hein, dans tous les jeux de bagnole, il y a un aérodrome pour pouvoir bien s'éclater. Alors il y a quand même pas mal de tremplins là-dessus. On ira faire un tour tout à l'heure sur les tremplins pour essayer de battre quelques records justement. En attendant, on a une course à gagner. Et il faut passer par les portes du typique Need for Speed. Faut qu'on prenne toutes les portes. Allez, on est bon. Deuxième. Ah, 700, oh, purée la vache. Ça se rapproche quand même vachement vite là. L'arrivée, ça se rapproche vachement vite, ça va être chaud. Aïe, 500 mètres. Ah, je suis pas sûr qu'on va y arriver. Si, c'est bon, tout juste. Dégage. Oui, on est bon. Oh la vache. Ah, c'était limite. Allez, on va se faire maintenant quelques petites
épreuves du côté de l'aérodrome. Ah, on a un run de vitesse. Allez, on va faire le run de vitesse. 145 km/h sur la portion qui a été indiquée. Pour l'instant, on est largement bon. On est largement bon. On est largement bon. Faut qu'on tienne le coup jusqu'au bout. J'espère qu'il n'y aura pas de virage trop serré. Qu'il n'y aura pas trop de cailloux sur la route. Mais avec cette bagnole-là, normalement, on devrait pouvoir y arriver. Elle tient plutôt pas mal le coup sur ce genre de terrain. Oui, on est bon. On est bon, c'est impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. Et on est à l'aérodrome. On est sur le lieu où on va pouvoir s'éclater avec nos tremplins. On va essayer de battre un maximum de records. C'est... Là c'est vraiment le truc fun. Là c'est vraiment le truc, on se défoule à fond la caisse. Et on essaye de faire des sauts le plus loin possible, bien évidemment. Ouf. Ah, c'est pas tout à fait ça. Ah, le drift aussi est plutôt sympa. Plutôt cool. Alors, on va essayer de se faire encore l'un ou l'autre tremplin. Alors, à la fois pour le fun et à la fois pour battre les records. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez stylé, quoi. Hein. Quand on commence le jeu, on commence quand même à prendre quelques repères et à apprécier aussi ce genre de jeu qui est totalement différent, comme dit, d'un Forza Horizon. Est-ce que je vais pouvoir me le faire celui-ci? 87 mètres. Ah, 74, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Nouveau record, mais malgré tout, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a encore sur le coup là, dans le coin? On pourrait battre. Ouh, 71, nouveau record. Mais il faut encore s'améliorer. Encore s'améliorer. Si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez me rejoindre sur ce jeu, n'hésitez pas, je l'ai déjà dit. Il y a un nouveau setup qui est en préparation, je vais pouvoir faire beaucoup plus fréquemment de... Oui, ça c'était bon ça. Beaucoup plus fréquemment de jeux Xbox. À partir de, on va dire, 2018 pour être large. Mais le temps d'organiser un petit peu mon setup. Et on devrait pouvoir s'éclater ensemble si vous le souhaitez. En attendant, on va encore essayer d'améliorer l'une ou l'autre distance de saut avec cette Subaru. Allez, 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 allez. Nitro. Ah, 81 mètres au lieu de 83. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Donc on devrait pouvoir y arriver. C'est totalement jouable. Totalement jouable. Alors, et celle-là? Ah, comme dit, par contre, effectivement, c'est vrai que c'est... Au niveau des... Bon, ok. Le truc qu'il fallait pas faire. Au niveau des commentaires, parfois... Bon, ouais. Allez, c'est sympa. Parfois, ça tire un peu au ridicule. Alors, ah, on a un petit radar par ici. 173. Il faut qu'on fasse combien, là? Ah, il fallait qu'on fasse beaucoup plus. On y reviendra plus tard. Tiens, on y reviendra plus tard. On va déjà se faire encore un saut. Celui-ci, j'aimerais bien pouvoir le réussir. Oui! C'est excellent! 90 mètres au lieu de 83. On a battu le record. On a toutes nos étoiles. Ça, c'est parfait. Ça, c'est impeccable. Oh, je crois que je vais apprécier. La bagnole a vraiment pris cher. Je crois que je vais vraiment apprécier cet aérodrome. Parce qu'il y a quand même des trucs sympas à y faire. Est-ce qu'on va... Ouais, non, on n'a pas réussi à améliorer. Celui-là, il va falloir qu'on le fasse aussi. Et là, pour l'instant, on en est très très loin. 110 mètres à faire, on n'est qu'à 72. C'est pas bon, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Il va falloir encore s'améliorer. Et celui-là, bon, bah... Ouais, ok, non. Je me doutais que c'était pas la peine d'essayer de faire ce saut. Mais bon, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Il faut quand même qu'on essaye. Alors.
Il y a tellement de trucs dans tous les sens ici, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. Il y avait aussi le radar que je voulais absolument faire. On va essayer de se faire cette vitesse de pointe. Pour ça, il va quand même falloir prendre beaucoup d'élan. Et puis on terminera là-dessus. Un maximum d'élan pour pouvoir passer ce radar et le battre. La vitesse. Allez, 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 on y va, on y croit là. On y croit, ça accélère doucement. Lentement. Mais sérieusement. Allez, Nitro. Oui, on est bon. On est bon, on est bon. Hey Max, j'ai essayé de mater ton truc à l'eau de rose là, des semaines et des jours, c'est ça? T'as regardé les épisodes? T'en dis quoi? Une perte de temps absolue. Oh, arrête! 149 mètres! En plus, on a réussi aussi les 110 qui ont été battus! Mais c'est excellent! Excellent! Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter! J'espère que la vidéo vous a plu! J'espère que vous avez trouvé le jeu assez fun parce qu'il va y en avoir d'autres des vidéos comme ça! On va s'en faire régulièrement! Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait! Et puis, bah, amusez-vous bien, portez-vous bien! Profitez bien vos cadeaux de Noël! Et on se retrouve très très bientôt sur une autre vidéo! Allez! Ah, ciao!